j'espère que vous allez bien. Je voulais en fait vous montrer un petit peu ce que j'étais en train de faire. Donc comme je vous l'avais dit, je vais monter tout doucement mes vêtements ici. Donc là j'ai monté toute la partie penderie, j'ai enlevé les vestes qui étaient là parce qu'il y a des vestes que je vais soit mettre en vente, soit que je vais garder pour l'année prochaine, ou bien que je vais donner, donc je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Mais voilà, donc la partie penderie, il faut encore que j'organise un petit peu mes chaussures là. Et puis voilà, mais en tout cas tout doucement, je monte mes affaires de saison en tout cas ici. Me voici prête à attaquer la journée. On est dans la salle de bain parce que je voulais vous montrer deux produits pour lesquels vous m'avez posé des questions. Alors je devais déjà vous les montrer en fait dans le vlog précédent, mais j'ai complètement zappé et je me suis dit mince, il faut absolument que je le fasse dans ce vlog-ci. Vous avez été quelques-unes à me poser les questions pour avoir mon avis sur le Tan Luxe, donc l'auto-bronzant, et aussi vous étiez nombreuses à me demander à ce que je vous montre le shampoing violet. Donc je vais commencer par le shampoing violet, le voici, donc c'est le Kérastase Blond Absolu et vraiment il est top, moi j'en suis super contente. Bon déjà il sent super bon même si c'est pas pour ça qu'on l'utilise, mais il sent super bon et aussi je trouve, enfin je vois carrément la différence quand je l'utilise au niveau de mes cheveux, au niveau de mon balayage, mon éclaircissement et tout ça. Donc franchement je peux que vous recommander, je sais qu'ils ont toute une gamme en fait de blond absolu, ils ont le masque, l'après-shampoing, tout ça tout ça. Moi pour l'instant j'utilise que le shampoing mais peut-être que je reprendrai, enfin peut-être que je compléterai la gamme, je sais pas trop, mais c'est vrai que j'y ai déjà pensé. Donc voilà, franchement je vous recommande vivement. Alors sur le flacon en fait ils préconisent d'utiliser des gants pour appliquer tout ça, moi franchement je vous avoue que je l'ai pas fait et j'ai jamais eu les mains violettes ou quoi. Aussi ils conseillent de faire un test, vous savez, pour l'allergie là, par exemple ici ou là, enfin peu importe où, pour voir si vous avez, enfin si vous faites une réaction allergique ou pas, parce qu'en fait il y a des colorants, il y a des pigments à l'intérieur. Donc voilà, comme ça, bon vous le savez, moi perso je l'ai pas fait, oui j'ai pas eu de réaction ni rien, donc mais en tout cas top top top. Et sinon pour l'auto-bronzant, oui j'en suis très satisfaite. Alors là en ce moment je m'en sers un peu moins quand même parce que voilà il fait beau, on profite, on est dans la cour et tout ça. Je vais vous montrer pour celles peut-être qui arrivent en cours de route. Alors pour le Tan Luxe, donc ça c'est le body, comme vous voyez je m'en suis pas mal servi déjà. Donc en fait c'est un système de pipettes que vous venez mélanger à votre crème corporelle. Alors corporelle parce que c'est The Body, mais sinon pour The Face aussi. Alors The Face il en faut carrément moins, je trouve que une à deux gouttes ça suffit amplement. Donc pareil vous mettez une goutte dans votre crème hydratante le matin ou le soir avant de dormir. Je conseillerais quand même de faire le soir parce qu'au moins voilà si vous êtes orange entre guillemets, bah, le lendemain matin vous lavez votre visage et tout ça, donc ça se voit moins je trouve que quand vous laissez développer ça la journée. Ben moi en tout cas au début j'en ai un petit peu trop mis et je virais un petit peu trop à, c'est pas forcément l'orange mais voilà je voyais que j'en avais trop mis quoi, donc je vous conseille de mettre ça plutôt le soir avant de dormir. Mais oui j'en suis également très satisfaite et je trouve que le rendu est vraiment naturel, on n'est pas du tout orange avec ça. Et aussi ce que j'aime bien c'est que c'est pas coloré, donc quand vous l'appliquez vous n'appliquez pas de couleur mais ça vient se développer au fil de la journée et moi je préfère plutôt que d'avoir un film coloré mais qui soit pas forcément hyper naturel et après seulement une fois que vous rincez vous avez le résultat final. Là au moins vous avez le résultat final tout de suite une fois qu'il s'est développé au fil de la journée. On vient de finir de manger avec Isaac et je me suis regardée dans le miroir tout à l'heure et je me rends compte que je brille à fond. Je crois que c'est le spray, vous savez j'ai sprayé le fixateur de make-up là de chez Urban Decay et je crois qu'il me donne un teint très glowy. Mais ceci dit j'ai aussi mis la crème, enfin le primer dont je vous avais parlé, le primer Laura Mercier qui a un côté illuminating et en dessous de ça j'ai testé un autre primer illuminating aussi et je crois que là je suis un peu en mode boule à facettes. Mais bon c'est pas grave, on va aller du coup, on doit aller à la poste. Il y a un livreur qui est passé hier et le pauvre il est passé aussi il y a deux jours et en fait bah, à chaque fois il passait à des moments où on n'était pas là mais c'était pas, enfin c'était pas prévu qu'on soit pas là en fait. Et du coup hier il m'a laissé un long message vocal en me disant bon s'il vous plaît madame voilà si vous pensez que vous n'allez pas souvent être à la maison n'hésitez pas à demander à faire déposer votre colis bah, en poids relais, ce genre de choses. Il me dit je sais même que vos voisins voilà ils font déjà ça parce qu'ils savent qu'ils vont pas être à la maison et tout. Bref il m'a fait une leçon de morale et enfin c'est un hasard quoi, d'habitude on est toujours à la maison. Bref je vais aussi déposer le colis H&M, enfin les choses là que je vous avais dit que j'allais pas garder. Puis aussi on doit aller au champ, on a une commande au champ Drive, on a pris comme d'habitude principalement de l'eau, voilà, et des petites bricoles à droite à gauche. Enfin voilà, donc c'est parti. Du coup, avant de partir, je vais vider mon sac à main pour mettre ce qu'il faut dans mon autre sac. Alors, masque, papier,
J'aime trop ce sac et d'ailleurs je sais que vous aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bah du coup j'en profite pour vous montrer ma tenue. En plus j'ai nettoyé mon miroir tout à l'heure. Je me suis rendu compte qu'il était tellement poussiéreux en fait. Alors du coup voilà ma tenue du jour. C'est un total look H&M sans faire exprès. Du coup j'ai mis ma longue robe H&M que j'avais commandée au printemps dernier. Je pense qu'elle doit être encore dispo. Si c'est le cas je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai pris du coup mon sac là que vous aimez beaucoup, pareil H&M, collection là toute nouvelle. Et j'ai mis aussi du coup mes espèces de mules comme ça, tressées aussi H&M, toutes récentes également. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. On est rentré il y a un petit moment les filles et là je viens de vous filmer un haul. End of the stories, mais oh my god, tous les coups de cœur que j'ai eu, c'est un truc de fou. Enfin comme je vous l'ai dit dans le haul, je garde pas tout. Mais franchement je suis trop agréablement surprise par cette marque, c'est un truc de fou. Du coup ouais ça fait partie du haul, j'ai encore les étiquettes dessus et tout ça mais j'étais tellement fan que j'ai tout, que j'ai remis ces deux pièces là. Trop jolie, franchement agréablement surprise et surtout la qualité c'est un truc de dingue. Je vous mettrai le lien vers la vidéo si vous voulez en barre d'infos, puis je vous mettrai le lien directement vers ces deux pièces là si vous voulez aussi. Voilà voilà, ah oui là je vais descendre parce que alors déjà ça c'est des anciens shorts à Ayane que je vais donner, il y a une benne relais pas très loin. Donc je vais mettre ça là-dedans et puis je voulais vous montrer aussi une petite bricole que j'ai achetée quand j'ai passé ma commande au Champ Drive et du coup je voulais tester en même temps avec vous, donc on va descendre. Alors les filles, le produit que je voulais tester avec vous c'est ça. En fait, je parlais avec mon père la dernière fois parce que je lui ai dit justement que j'avais fait un petit coup de nettoyage au niveau de la machine à laver avec le vinaigre et tout et il m'a dit bah écoute, ta grand-mère utilise ça. Parce qu'en fait, mon père, enfin, il va souvent dépanner ma grand-mère et tout ça quand elle a un petit souci, par exemple, s'il faut changer une ampoule, ce genre de choses. Et il avait remarqué qu'en fait, sa machine à laver, à elle, était nickel. Et il m'a dit qu'elle mettait ça, en fait, dans sa machine à laver. Alors, je crois que c'est au moment du nettoyage. Un bouchon, durée moyenne, dose recommandée. Oui, alors, à utiliser à chaque lavage, ajoutez Calgon en plus de votre lessive habituelle dans le bac à détergent. Utilisez la dose minimale de lessive prévue. Pour un lavage en eau douce convient à tous les types de vêtements. Ok, donc voilà. Bon bah donc c'est ce que je vais faire, je voulais tester parce que je vous avoue que depuis que j'ai nettoyé ma machine à laver au vinaigre, et bah maintenant elle sent mauvais alors qu'avant elle sentait pas du tout mauvais. Du coup bah je me suis dit que j'allais faire ça en même temps, voilà, hop, ça fera un petit coup de nettoyage. Et puis voilà, et justement donc j'attendais d'acheter ça pour mettre du linge à laver aujourd'hui. Donc je vais descendre à la cave et puis je vais faire ça. Alors nous voici à la cave, du coup ça me fait penser, il faut aussi que je fasse un petit tri ici parce qu'on a des choses à jeter et en fait il faut que je prenne rendez-vous avec, vous savez, les encombrants. J'ai une voisine qui est adorable qui m'a dit qu'en fait, parce qu'une fois j'ai vu qu'elle avait mis des affaires à elle sur le trottoir, du coup je pensais que c'était les encombrants qui passaient, donc je lui ai demandé, elle m'a dit non en fait il faut que t'appelles, il faut prendre rendez-vous et ils viennent chercher tes affaires. Donc c'est ce que je vais faire parce qu'on a, nous on a des petites choses à larguer et franchement aller à la déchetterie à chaque fois c'est relou. Du coup on va faire ça, donc il y a des petites choses qu'on a stockées ici en attendant, que je vais sortir. Enfin, une fois que j'aurai pris le rendez-vous avec l'entreprise, là. Alors, j'ai mis la lessive dans le tambour parce que ça, c'est comme ça. Par contre, du coup, le produit Calgon, je vais le mettre dans le bac ici. Ah oui, alors un bouchon, c'est pour eau dure et moyenne dure. Enfin, moyennement dure. Un bouchon plus 2/3 eau très dure. Bah, nous, l'eau, elle est dure, mais est-ce qu'elle est très dure? C'est vrai qu'il y a pas mal de calcaire, nous, chez nous. Oh, punaise! Bah, heureusement que je fais du sport, hein. Allez, je vais mettre ça. Bon, voilà. J'ai mis un bouchon, on verra ce que ça donne. Alors, blanc couleur. C'est le lendemain les filles, on est samedi et aujourd'hui on va faire un petit tour, on va aller se balader un petit peu. Alors on va pas aller en ville parce que bah, qui dit samedi dit foule de fou dans le centre-ville de Lille. Par contre on va aller à Zodio, je sais pas si vous vous souvenez, on y était déjà allé. C'est pour préparer l'Aïd, la décoration de l'Aïd et tout. Et là on y va parce qu'en fait on va prendre un cadeau pour ma belle-maman. Alors je vais sûrement pas vous dire ce que c'est parce qu'en fait... elle risque peut-être de regarder la vidéo dimanche matin et vu que c'est pour lui offrir pour dimanche midi ou après-midi, du coup je pourrais pas vous montrer mais je vous dirai si vous voulez dans le vlog d'après ce qu'on lui a pris. Mais donc on va aller chez Zodio, on sait déjà ce qu'on va lui prendre et tout ça, j'espère que ça va lui plaire. Puis je pense qu'en même temps on va faire un petit tour, je sais qu'il y a Casa aussi dans la zone où on va. Tu m'as filmé. Ça sent l'arnaque tout ça. Peut-être aller faire un petit tour aussi pour voir un petit peu ce qui se fait, tout ça, voilà, se balader, un peu pour voir la déco et tout. Mais voilà, donc on va faire un petit tour et on vous embarque avec nous.
Donc on vient de sortir de chez Casa, franchement je suis trop contente. On lui a trouvé son cadeau, je l'ai emballé avec amour, c'était pas forcément à la perfection, mais au moins il y a un petit emballage cadeau et tout. Et là on va aller chez Casa, du coup on va aller faire un petit tour et on va peut-être aussi aller chez Boulanger parce qu'on est à la recherche d'un grille-pain. On a envie d'un grille-pain Smeg. Au niveau du boulanger à côté de la maison, il n'y a pas grand choix. Et on avait regardé sur internet, enfin les coloris n'étaient pas dispo et tout. Donc on va jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'il y a à ce boulanger-là, si jamais il y a quelque chose. Et puis voilà. Voilà, rentrez les filles. Alors on a fait quelques petites emplettes comme vous l'avez vu, quoique non je vous ai pas tout filmé, mais à un moment on est parti aussi chez Grand Frais à la fin pour prendre des petits trucs pour manger pour ce soir. Donc moi ce soir j'avais envie de nouilles sautées, vous savez les nouilles dont je vous avais parlé la dernière fois là, c'était une marque thaïlandaise je crois, enfin un truc thaï je sais plus, bref. Donc j'ai repris ça, je vais faire ça avec des légumes sautés, j'ai pris aussi de l'huile de sésame, j'aime trop ça, je trouve ça trop bon. Isaac lui il avait envie de se faire ses nachos comme bien souvent les samedis soirs. On est allé chez Casa, alors chez Casa on n'a rien trouvé sauf ces deux tasses que vous avez sûrement déjà vues en magasin. Elles sont assez foncées, je trouve que ça change de ce que j'ai habitué, enfin de ce que j'ai à la maison. Et c'est vrai que j'ai fait un gros tri au niveau de mes tasses, de mes mugs et tout, parce que elles se faisaient assez vieilles, ça faisait depuis mon tout premier appartement que je les avais et tout. Donc au départ j'étais partie juste pour faire un tri et puis finalement je me suis rendu compte quand même que il m'en manquait après avoir fait ce tri. Je bois plus de café que de thé actuellement, mais c'est vrai que quand j'ai envie d'un thé, souvent il me manque une tasse quoi. Donc j'en ai pris deux comme ça. Elles sont gris anthracite, ouais, gris très foncé. Je trouve que ça change. Habituellement, je suis souvent attirée par tout ce qui est blanc ou beige et tout. Et là, du coup, je trouvais que ça changeait. Donc j'en ai pris deux comme ça. C'est suffisant avec ce que j'ai déjà à la maison. En fait, j'ai deux autres mugs. J'en ai un noir et blanc. Et j'en ai un rose qui est assez gros quand même, que j'avais acheté au printemps d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez. Mais voilà, donc comme ça, deux noirs comme ça, ça complète un peu ma collection. Moi j'aime bien avoir des mugs dépareillés, des mugs un peu de style différent et tout. Je suis pas forcément à la recherche du service vraiment parfait avec tout assorti et tout ça. Donc voilà, j'ai bien aimé ces deux tasses-là. Ah oui, on est allé chez Boulanger pour le grille-pain. Alors vous l'avez vu, il était en expo, donc on aimerait bien le noir. Isaac, il avait bien aimé aussi le bleu ciel, enfin très clair là, le bleu limite baby blue, mais je trouvais que ça n'allait pas trop, enfin avec le style de la maison, enfin avec les couleurs de la maison et tout. J'aimais bien aussi le beige, mais voilà, je trouvais que noir, c'est quelque chose qui nous plaisait à tous les deux. Il n'était pas dispo en magasin, du coup il fallait le commander, tout ça, donc on s'est dit qu'on allait réfléchir, qu'on allait regarder aussi un peu sur internet, voir voilà s'il n'y a pas l'occasion qui fait que, enfin s'il y a une promo, j'en sais rien, bref, pourquoi pas avoir là. Je sais aussi que la Redoute Intérieure font tout ce qui est Smeg, donc pourquoi pas commander dessus, enfin voilà, bref, on verra, mais en tout cas, on sait qu'on aime bien ce modèle-là et on verra quand l'occasion se présentera pour le commander. Et sinon, moi j'ai pris ça chez Audio aussi parce qu'ils ont une partie justement tout ce qui est lampe berger et tout, et du coup j'ai pris ça pour changer un petit peu au niveau des senteurs. J'ai pris fleur d'oranger, ça sent super bon. Et ce qui est marrant c'est qu'en fait vous savez, vous avez des petits échantillons, enfin des testeurs en fait pour sentir, pour pas ouvrir les gros flacons comme ça, et j'en ai mis un petit peu sur mon masque sans faire exprès, et du coup à chaque fois que je mettais mon masque, et ça sentait tellement bon la fleur d'oranger. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir pris ça. J'ai encore du liquide à utiliser en fait qui est déjà dans ma lampe. Donc faudra d'abord que je termine celui-là avant d'entamer celui-ci, ce parfum-là. Mais je suis contente parce que le parfum qui me reste dans ma lampe berger, c'est un parfum qui est assez sucré, qui est assez hivernal et tout. Je pense que ce sera bien de changer, de mettre quelque chose d'un petit peu plus frais et tout, léger, tout ça. Sinon, ah oui, j'ai reçu la Glossy Box. J'ai plein de trucs à vous partager sur Instagram, mais en fait, j'ai pas le temps à chaque fois. Et là, je me dis, on est samedi, peut-être que je vais en profiter justement pour me poser quelques minutes sur Instagram avec vous. Vous partager un petit peu ce que j'ai reçu récemment, parce que le temps me manque. Donc il faudrait que je fasse ça bientôt. Il y avait autre chose aussi que je voulais vous dire, j'ai l'impression, mais ça me vient pas là maintenant. C'est pas grave, je vous en parlerai tout à l'heure.
Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire, le bidon Calgon là, que je vous ai partagé hier, du coup, eh ben, ça marche super bien. Ma machine sent, bon, je ne vais pas dire qu'elle sent bon, enfin, elle sent pas d'odeur, en fait, elle sent plus mauvais. Et mon linge, par contre, sentait le frais, enfin, vraiment, il sentait la lessive et tout. Donc, je vous recommande, donc c'est le Calgon Power. Alors, moi, j'ai pris en, il y a 45 lavages dedans, mais vous avez des plus petits bidons, je crois, de 15 lavages. C'est ce que mon père m'avait envoyé comme photo, d'ailleurs. C'est ce que lui il a, c'est ce que ma grand-mère utilise aussi. Mais franchement, trop trop bien, je peux que vous recommander le bidon Calgon. Et c'est marrant parce que je disais à mon père que moi je croyais vraiment que c'était juste du pur marketing commercial et tout ça. J'ai jamais cru au truc Calgon, vous savez, où on voit les pubs avec, il vous embarque à l'intérieur de la machine, vous voyez l'espèce de résistance, la plaine de calcaire et tout, j'y ai jamais cru. Et puis apparemment, ça fonctionne bien quoi, donc franchement, allez-y. Si je vous dis... Bon, j'ai pas mangé les 5, mais en fait, il restait un tube complet de Mentos aux fruits. Et franchement, à la base, j'en voulais qu'un. Et laisse tomber, j'ai mangé tout le truc. C'est tellement bon. Moi, mes préférés, c'est ceux à la fraise. C'est les roses. Ceux que j'aime le moins, c'est les oranges. Je trouve qu'ils ont un goût, mais de médicaments, j'aime pas du tout. Du coup, à chaque fois, j'essaye de les refourguer à quelqu'un. Mais les roses, franchement, c'est mes préférés. Et sinon... À la base, j'ai gardé précieusement ce paquet pour vous le montrer. C'est des chips qu'on a acheté tout à l'heure chez Grand Frais. Parce qu'en fait, j'avais tellement faim. En fait, tout de suite après ma séance de sport, on est sorti faire les courses, comme vous l'avez vu. Enfin, faire les boutiques, les petites emplettes et tout. Et du coup, quand on arrivait à Grand Frais, il fallait absolument que je mange un truc. Et du coup, j'ai pris ça et c'était super bon. Je peux que vous les recommander. C'est des chips, comme c'est écrit, chips bio de lentilles. Et ça n'a pas du tout le goût de lentilles. C'est super bon. Alors, il n'y a pas que des lentilles, il y a quand même un petit peu de pommes de terre. Mais c'est vraiment bon. Donc, je vous recommande ça si jamais vous passez à Grand Frais, pardon, et que vous passez devant. Bah, testez parce que franchement, c'est super bon. C'est sans huile de palme. Enfin, sans huile de palme plutôt. Et c'est bio et franchement, un vrai délice. Ah oui, et sinon, ça me fait penser qu'on a pris... Isaac qui s'est trompé, il a mis les haricots rouges dans le frigo. Bref, c'est pas grave. Et d'ailleurs, il a mis l'huile de sésame aussi dans le frigo. Non mais, what? Ah là là. C'est pas pour ça que j'étais allée dans le frigo. En fait, je voulais vous montrer parce que j'ai pris une nouvelle kombucha. En fait, vu qu'on va plus au même Grand Frais qu'avant, du coup, c'est plus exactement toujours les mêmes produits. Et j'ai découvert celle-ci et y a différentes saveurs. Et donc, je me suis dit qu'on allait prendre et goûter ça. Donc, c'est citron-gingembre. Du coup, je vais goûter ça avec vous. C'est marrant, c'est un petit peu trouble en dessous. Enfin, au fond. C'est de la marque Ritual Kombucha. Kombucha bio. Et on va goûter. Alors, le bouchon a l'air un peu particulier. C'est marrant, c'est rigolo. Mais du coup, ça, c'est le genre de truc, mais... Enfin, avec ce genre de bouchon, j'imagine qu'une fois que c'est ouvert, tu peux plus le refermer, quoique... Je vous pose 2 secondes. Ah, trop marrant. Bon, bah donc c'est bien ce qui me semblait. Une fois que tu as ouvert ce genre de bouteille, tu peux plus la fermer. Donc, je vais essayer d'en refourguer, Isaac. On va goûter. Franchement, faites pas gaffe à ma tête, c'est la fin de la journée, je suis crevée. Franchement, on sent bien le gingembre. J'ai l'impression que c'est une infusion de gingembre comme je faisais avant. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ah, c'est super bon. Je vais en verser un peu à Isaac. Je vais voir s'il aime bien. Les autres marques qu'on avait testées, il n'avait pas aimé Isaac. Mais je pense que ça, il va aimer parce qu'il n'y a pas ce goût fort de fermentation. Je vais lui en verser un petit verre. Bon, juste pour qu'il goûte. Faudrait pas gâcher non plus. Je vais aller lui ramener. Goûte. Ça c'est. Kombucha. Mais elle sent pas l'alcool celle-là. Non, sérieux, elle est bonne. non mais... Non ? Gingembre. Ouais, citron-gingembre. On s'en fout de gingembre, ouais ? Ouais, c'est pas très bon. Ah, ok. Bon, c'est tout. Non mais je suis deg parce qu'en fait, le bouchon de ces bouteilles-là, il se referme pas. Ah, c'est plus sec direct toi, là. Bah ouais, du coup, t'es obligé de tout boire, quoi. Bon, bah tant pis, il aime pas. Il aime pas, du coup, ça sera tout pour moi. Bon, je trouve pas que ça sente la fermentation, mais bon. Alors là, les filles, on est dans ma salle de bain et en fait, j'ai décidé de faire les poudres. Vous savez, les poudres que j'avais fait une fois avec vous. D'ailleurs, c'est la seule fois que je l'ai fait parce que j'ai rarement le temps, en fait, le dimanche. Je suis toujours assez speed et tout ça, même les week-ends. Et du coup, j'ai pas vraiment le temps de me poser comme ça dans la salle de bain. Et dans la semaine, quand il faut que je me lave les cheveux, faut vite que j'aille me préparer. C'est souvent après ma séance de sport et il y a le boulot et tout et tout.
Du coup, là, je me suis dit que j'allais faire ça maintenant, même s'il est bientôt 20h. Mais demain, en fait, on est invité, bah, comme vous le savez, chez ma belle-maman. Enfin, on doit y être assez tôt et du coup, j'aurai pas le temps demain matin pour le faire et tout ça. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Donc, je vais faire un mélange de poudre donc végétale ou ayurvédique. Donc, j'ai là la poudre de Brahmi. Donc ça, je l'ai acheté sur le site de WAM Cosmétiques. De toute façon, tout ça, c'est WAM Cosmétiques. J'ai aussi de la poudre de Shikakai et j'ai aussi de l'huile de moutarde. Donc, j'ai regardé un petit peu sur Internet pour trouver des recettes parce que je sais plus où sont mes autres recettes. Du coup, je vais faire ça. Donc, c'est un mélange. Donc, 2 à 3 cuillères à soupe de poudre de plante, 1 cuillère à soupe d'huile végétale mélangée et puis donc ça fait votre masque avant shampoing. Et après, en fait, vous l'appliquez, vous laissez poser 20 à 30 minutes. Donc, vous l'appliquez racine, ensuite longueur. Et ensuite, vous faites votre shampoing habituel. Donc, moi, je vais faire ça maintenant. J'aurais bien aimé aussi mettre de l'huile de coco sur les longueurs parce que là, c'est une catastrophe. Mais je sais pas si vous allez voir, mais mes cheveux, enfin mes longueurs surtout, sont hyper, hyper sèches. Ça fait très longtemps aussi que j'ai pas fait de masque de coco pour les mêmes raisons. Parce qu'en fait, ces deux dernières semaines, à chaque fois qu'il fallait que je me lave les cheveux, c'était rapidos. Du coup, j'avais pas le temps de poser un masque, d'attendre au moins 30 minutes et tout. Et là, je vois que mes cheveux commencent à bien morfler. Ils sont hyper cassants, il y a plein de fourches au bout. Donc je pourrais pas, je pense, faire de masque à l'huile de coco en plus des poudres, à moins que je mette de l'huile de coco genre ici au niveau des longueurs et que je mette le masque aux plantes ici, aux poudres. Je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas je vais faire ça maintenant. Pendant que ça posera, je vais me démaquiller. Je vais mettre aussi ça. Je vous en avais déjà parlé, c'est super bien. Alors c'est soit un masque, soit vous le mettez en fait en crème de nuit et ça agit vraiment toute la nuit, donc en couche fine, ou bien vous mettez en couche épaisse et vous l'appliquez vraiment comme un masque que vous venez rincer. Donc c'est le crème masque Vernix de Biologique Recherche, pardon, et ça franchement sur la peau c'est juste top. Donc moi il faut que je le fasse deux fois par semaine, je vous avais déjà parlé de mon diagnostic peau et tout, donc je vais faire ça aussi après mon démaquillage. Et puis voilà, et comme ça demain normalement j'aurai des cheveux en meilleure santé et une peau fidèle à elle-même en ce moment quoi. Allez, c'est parti. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow? C'est le lendemain matin, les filles, on est dimanche et il est 8h, bientôt 9h. J'ai déjà mis en route mes lessives, j'ai nettoyé en bas, enfin le rez-de-chaussée et tout ça. Et là, je vais donc m'attaquer à une séance de sport. On est assez chrono ce matin étant donné que, je sais pas si vous entendez les oiseaux dehors. Ça fait trop plaisir, surtout le dimanche matin et tout, en plus il fait beau. Mais ouais, je vous disais, donc là ce matin on est assez chronométré. Du coup je vais vite aller faire une séance de sport. Je vais faire bas du corps cette fois-ci, comme d'habitude en ce moment. Donc je fais Caroline, je mettrai le lien de sa chaîne ou bien de la vidéo que je vais faire en barre d'infos si vous voulez.
Donc je vais faire ça, ensuite je vais me préparer, je sais pas encore exactement ce que je vais mettre, aujourd'hui il fait beau, je pense que je vais mettre une chemise avec un pantalon et puis des jolies chaussures, et ça fera tenue de repas de famille on va dire, je vous montrerai de toute façon ma tenue. Et puis voilà, et sinon mes cheveux sont hyper doux, franchement ça leur a fait un bien fou le masque d'hier. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai pas pu vous filmer parce que j'avais les mains tellement pleines de poudre et tout ça et l'huile et tout, du coup j'ai pas pu, enfin je voulais pas manier la caméra, mais donc j'ai bien mis donc en racine, un peu sur les longueurs aussi, et j'ai mis aussi de l'huile de coco donc sur les longueurs, et là je sens ils sont hyper soyeux, ils sont moins secs, mais les pointes je pense que je vais les couper un petit peu, ne serait-ce qu'un demi centimètre ou peut-être un centimètre, mais ça je vais le faire moi-même, voilà, une fois qu'ils seront mouillés et tout, hier soir j'ai pas eu le temps de le faire. Mais une fois qu'ils seront mouillés, je vais bien les coiffer, les mettre à niveau et puis couper un petit peu les pointes parce que c'est plus des pointes, c'est des fourches carrément. Donc là, de toute façon, c'est des pointes, enfin, elles sont mortes quoi, donc ça va leur faire du bien. Puis je pense que ça ajoutera aussi un petit peu d'épaisseur, de corps comme ça à mes cheveux. Vous savez, quand ils sont coupés tous à la même longueur, je trouve ça assez joli. Je trouve que tout de suite, je sais pas si c'est une illusion d'optique, mais je trouve que tout de suite, ça, on a l'impression que les cheveux sont plus épais et tout. Donc je vais faire ça, et sinon je les ai laissés sécher à l'air libre toute la nuit. Donc c'est vrai que je vous montre rarement mes cheveux au naturel, je vous dis qu'ils sont raides et tout, mais voilà, donc ça c'est mes cheveux vraiment sans aucun sèche-cheveux ni rien. Je vais peut-être faire quelques petites ondulations pour aujourd'hui, mais voilà, rien de fou. Donc là je vais faire ma séance de sport et je vous retrouve après. Et voilà les filles, le look pour ce dimanche, pour ce repas en famille. Finalement, comme toujours, quand il y a ce genre de repas, ou même pour sortir et tout ça, en amoureux avec Isaac ou quoi, au resto, j'aime bien toujours avoir une tenue simple et puis essayer d'accessoiriser soit avec une jolie pochette, des jolies chaussures ou bien des belles boucles d'oreilles, ce genre de choses. Donc là, je porte ma chemise en soie de chez Lily Seal, que je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé lors d'une collab. C'est la première fois que j'ai l'occasion de la porter et je suis bien contente parce qu'elle est hyper fraîche. Franchement, c'est super agréable, même s'il fait chaud. Aujourd'hui, il fait 24 degrés. Elle est hyper légère, trop agréable contre la peau. Elle tient pas du tout chaud. Donc je l'ai mise avec mon jean. Alors celui-là, vous le connaissez aussi, je pense. Ça fait un moment que je l'ai. C'est un Vero Moda, mais que j'avais acheté sur Amazon Fashion. Et ça, c'est mes chaussures H&M que vous connaissez, donc mes sandalettes que j'aime trop. Et croyez-le ou non, mais c'est la première fois que je vais les porter en extérieur parce que quand je les avais achetées, bah, il faisait pas très beau, il faisait pas chaud du tout. Puis avec le confinement et tout, donc je les ai portées quelques fois à la maison parce que je les aime trop. D'ailleurs, cette sangle-là, faut que je la serre un peu plus. Mais ouais, sinon, j'ai jamais eu l'occasion de les porter dehors, donc je suis bien contente. Et j'ai sorti ma pochette. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pochette, mais je l'avais achetée à Porto Vecchio cet été c'était pendant une braderie. Et c'est une pochette en cuir que j'aime énormément. Bon, là, elle est vide parce qu'il faut que je transvase mes affaires dedans. Donc voilà. Et sinon, pour mes cheveux, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des simples ondulations. J'ai pas mis de boucle d'oreille, par contre j'ai mis un petit collier. C'est marrant, j'ai du mal, j'ai essayé des grosses boucles d'oreilles dorées, mais je sais pas, j'arrive pas à... Je pense que c'est le col plus les boucles et des grosses boucles d'oreilles comme ça, je trouve que ça fait un peu trop sur moi. Donc j'ai juste mis un petit collier comme ça, tout simple. Bah écoutez les filles, je vais vous laisser ici du coup. J'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Et puis moi je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.